Un téléphérique urbain, vous l'avez dit, effectivement, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y avait que Brest qui avait un premier sujet. C'est une technologie qui est très pertinente et qui est très éprouvée en montagne. Mais la sécurité et les équipements de montagne sont bien différents de ceux que l'on installe en ville, en termes de réglementation, que ce soit en termes d'accessibilité aux personnes qui vont l'utiliser ou que ce soit en termes d'intégration. Typiquement ici, les cabines vont s'arrêter pour pouvoir, à des usagers en fauteuil roulant, de pouvoir monter dans la cabine. Donc c'est également quelque chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui dans le milieu du ski. Le transport par câble, tous on a l'habitude de le prendre au ski, sauf qu'à Toulouse, on a pris en compte les standards métro. Donc il est vraiment intégré au système de transport à Toulouse avec les mêmes contraintes et exigences techniques. Il y a des procédures pour l'évacuation en cas de vraiment grand problème jusqu'à la station, comme si le métro s'arrêtait entre deux stations. Il ne peut pas y avoir des cabines bloquées en l'air avec des descentes en rappel des usagers. On a l'habitude que les cabines se mettent en marche vers 9h du matin et à 17h on commence à arrêter. Ici on s'est calqué avec l'amplitude du réseau de transport en commun. De 5h15 du matin à minuit, l'exploitation va tourner, les cabines vont tourner. Donc en termes d'usure et d'entretien, on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes. Ça reste un chiffre modéré par rapport à l'ensemble du dispositif, mais on ouvre une possibilité de transport en commun qui n'existait pas. Aujourd'hui, les personnes qui font ce trajet le font nécessairement en voiture, tout en sachant qu'on est sur un coût de construction qui est bien moindre que le coût d'un kilomètre de métro ou de tram. Un atout de plus quand on est dans cette réflexion, qui n'est pas utilisable partout parce que ça n'a pas de sens. Je sais que dans la région parisienne, par exemple, ils réfléchissent à utiliser ce type de dispositif pour passer au-dessus d'un nœud ferroviaire difficile à franchir. À Bordeaux, ils réfléchissent à ce dispositif pour franchir la Garonne. On trouve des solutions qui n'existent pas avec les systèmes actuels de transport en commun.